Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour du Construction Simulator. Du coup on va se retrouver tout de suite après l'intro. En jeu. Bon, du coup, sur l'épisode de la semaine dernière, donc franchement, je suis vraiment très très content, les amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, cette série vous plaît et ça me fait énormément plaisir. C'est vrai que sur l'épisode dernier, on n'a pas atteint autant de vues que sur le premier épisode. Bon, voilà, après, voilà, les gens découvrent, hein, donc et après, ils aiment ou ils aiment pas, c'est logique, hein, mais si vous me regardez jusque-là, c'est que vous aimez, donc au moins, à mon avis, c'est déjà très cool. Donc, du coup, dans l'épisode dernier, alors qu'est-ce qu'on a foutu? Je m'en rappelle pas. On a été jusque-là avec le Camtar. On a été jusque-là avec le Camtar. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va aller dans. On va aller regarder déjà sur le chantier. Donc, alors, contrat. Non. Entreprise. Profil. Non. Chantier actif. Alors, du coup, on est sur la dernière étape. Donc, obtenez un conteneur de ma au marchand de matériaux et transporter la cargaison vers la destination. Hein? Obtenez, d'accord. Ok. Ok. Marchand de matériaux. De matériaux, matériaux, matériaux. Alors, matériaux, bureau, vendeur de matériaux. Donc là c'est cool parce qu'on est à côté. Donc là ça va aller assez vite. Non, c'est F. Ça va aller assez vite. Hop. Allez, on est parti. Hop, marche arrière. Roucoule. Stop. Allez, roule. Hop. Donc du coup, il nous a dit qu'il faut qu'on aille chercher un container. Donc pour le coup, on va aller chercher un container. Voilà, container, youhou! Hop, hop, on va aller chercher. J'adore, le mec, on a l'impression qu'il se tord le coude. Regarde, on a l'impression que le mec il se tord le coude. Regarde, regarde, il se tord le cou. Et bah dis donc, bonjour les torticolis. Hop, allez, on va aller chercher ça. Alors, du coup, il nous a demandé un caisson de matériel. Pardon, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Je sais plus. Oh, putain, je perds la boule, moi. Hop, chantier actif. Un conteneur. Obtenir un conteneur d'un marchand de matériaux et transporter la cargaison vers la destination. Ok, donc il me demande un conteneur. Location. Alors, c'est un location. Est-ce que c'est en location que je dois construire? Ou ce que je dois acheter. Stratifier, non, s'en fout. Non, ça va pas être là-dedans. Alors, godet, grue à béton, non. Banche, toilette mobile, container. Hop, container. Ah oui, d'accord, c'est acheté. Ok, acheté. Alors, j'espère que c'est le bon. Normalement, je vais me la retrouver un peu comme un gogol. Est-ce que je peux? Ah oui, d'accord. Par défaut, je cours. Ok. Par défaut, je cours. Et pour marcher, en fait, il faut que je maintienne shift. D'accord. Ok. Bon, bah, généralement, nous, on va plus courir que marcher, hein. Logique. Hop. Allez, on va aller. Vous devez penser à acheter un nouveau véhicule. Pourquoi? 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 Alors ça. Est-ce que d'ici la fin de l'épisode, on va acheter un autre véhicule? Ça, on va le savoir assez rapidement. Alors, GG, aligne-toi correctement à ton caisson. Oula, 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 je fais du n'importe quoi. Espace. Pour atteler. Cargaison connectée. Allez. Alors, j'essaie de, voilà, de vous montrer un petit peu quand même les meilleures choses. Non, le sens. Hop, ok. Donc maintenant, du coup, on doit retourner d'où on vient. Si j'ai bien compris. Alors, je viens d'où? Je viens de là. Je viens de par là.
C'est presque sûr, je viens de par là. Oui, je viens bien de là. Alors ensuite, le caisson, j'en fais quoi? Je le mets où? Je reviens sur le chantier, je suppose. Alors, on va regarder qu'est-ce qui me met. Donc le chantier actif. Oui. Ouais, mais je dois l'emmener où, Godet? Ah, mais t'es un comique, toi! T'es un comique! Alors j'espère que j'ai pas besoin de le poser dans le trou, hein, parce que là, au moins, je suis pas dans la merde. Cargaison déconnectée. Alors, est-ce que maintenant, est-ce que ça a fait quelque chose? Parce que moi, j'ai un doute, en fait. Attends, redémarrer l'étape. Non. Ok, attends, parce que là, il y a un petit souci. C'est que je ne sais pas comment. Je sais pas. Est-ce que c'est là que je dois l'emmener le. Ah, c'est pas là. C'est pas là à l'entreprise que je dois l'emmener le truc. Attends. On va le charger. On va le recharger. Et puis on va l'emmener. On va aller. On va aller l'emmener. On va aller l'emmener à l'entreprise, à l'entrepôt. On va aller l'emmener à l'entrepôt, voir si est-ce qu'il y a une interaction qui se fait quand j'arrive dans la cour. Voilà. Voilà, garer le camion et venez par ici. Bon. Hop. Bon, laissez-le, hein. De toute façon, à chaque fois, de manière, si je le gère, de toute manière, quand il y en a besoin, il me le sort. Donc, je suppose qu'il va me le ranger aussi. Alors, salut, hop, je suis de retour. Une journée sur le site de construction est passée et assez épuisante. Pardon, déjà, je me suis un peu planté sur les lectures. Et vous n'avez découvert que la première machine, mais je pense que vous avez compris les bases du travail. Maintenant, vous pouvez essayer d'effectuer des contrats par vous-même et commencer à gagner de l'argent pour développer l'entreprise. Les choses sérieuses commençons vraiment. J'ai vraiment hâte d'y être. Rappelez-vous, si vous avez un contrat actif, les différentes tâches sont affichées à droite. Si vous cliquez sur l'icône devant chaque tâche, je vous donnerai des brèves instructions sur la marche à suivre. Autrement, consultez le menu des contrats. Je vous contacterai de temps en temps avec des informations diverses et variées. J'ai du travail à faire maintenant. On se voit plus tard. Mettons-nous au travail et consultons le menu des contrats. Ok. Donc, du coup, là, on a gagné 100 XP plus 5 350 crédits. Parce que pour le coup, c'est pas des euros, c'est pas des dollars, c'est des crédits. Donc, apprentissage expérimenté. Apprenti expérimenté. Déblocage d'une nouvelle zone de construction. Ok. Alors, du coup, il nous demande d'aller faire un tour sur les chantiers pour voir un petit peu. Donc, voilà comment que ça se passe au niveau des chantiers. Donc, là, il y a trois contrats différents qu'on peut effectuer. Du coup, je me suis pris 15 XP supplémentaires. Du coup, contrat disponible. Donc, on a un temps pour les contrats, pour les sélectionner. Donc, on a différents contrats à choisir. Alors, pour le coup, alors, extension de toit d'une maison de famille. Ok, donc là, on va avoir besoin de l'excavateur. Donc ouais, ok, ça c'est sympathique, ça c'est sympatoche. Obtenir un conteneur de déchets de construction du port et transporter la cargaison dans la zone destinée à gravière. Ok, donc ouais, bon là c'est vraiment pour se faire des billets tranquilles. Du coup, bon, on va se faire celui-là. Donc on va commencer le contrat ensemble, et puis bon, on le finira dans l'épisode suivant, bien entendu. Voire même on fera peut-être qu'on le fera en plusieurs épisodes. Conduisez un petit explorateur vers le site de construction. Ah putain, il faut que je l'accroche tout. Oh!
Donc il faut que j'accroche le plateau. Alors ça, la dernière fois, j'ai eu un problème avec ce sujet-là. C'était ma roue de jockey, donc je suis obligé de faire un retour Windows, revenir dans le jeu, et puis c'est quoi déjà la touche que je me souvienne? Alors la touche. Bon, c'est left shift Q. Voilà, donc une fois que cette tâche s'est effectuée, faut que je refasse encore un retour Windows, me remettre en mode anglais, et puis revenir dans le jeu, et puis après bah rouler ma poule. Hop, rouler boulet, je dois avancer assez pour pouvoir charger l'appel. Hop, voilà. Alors du coup pour les rampes, je suppose que ça va être pareil. Ah non. Je suis bien que. C'est quoi déjà? Ah non, ça marche quand même. Ouais, non, j'ai pas trop compris le. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. On va faire avec. Hein. Hop, alors on va descendre du camion, on va aller chercher la pépelle. Allez, cours, cours, Forest, cours. Et courir le furet, on le voit même. Pardon. Alors tu me crois si je te dis que je vais galérer? Bon, c'est pas mal, c'est pas comme je voulais, mais. Oula. Marche un peu. Hop, on sort de l'appel, on va remonter vite fait dans le camtar. J'ai pas moyen d'attacher le bordel. Entrer dans le petit escalator. Non, bon, c'est pas grave. Alors du coup, on va monter là-dedans. On va faire. Alors c'est left. Donc évidemment, ça met un peu de temps. C'est bon Marcel, passe la marche arrière. Donc j'ai toujours la guirlande qui reste allumée sur mon bordel. C'est pas grave. Alors du coup on va se rendre sur le nouveau chantier. Hop, allez, on est parti. Donc c'est sur une extension de maison pour le coup. Donc apparemment on n'est pas loin. Donc ça c'est pas mal. Alors je conduis comme un pied. Allez, on est parti. Bon, franchement, les graphismes de ce jeu sont vraiment, ils sont assez jolis. Franchement, c'est pas du graphisme dégueulasse. Alors, on y est. Ah, attends. On va faire une petite marche arrière. Oula. On va éviter de péter la flèche. Hop, transporter 4,3 mètres cubes de terre de la gravière dans la zone destinée. Hop, donc du coup on va descendre la machine du plateau, du platane. Hop. Allez Marcel! D'accord, donc là c'est là où je dois creuser. Hop, c'est là que. Pardon. C'est là que je dois creuser. Donc le camion, on va le virer de là. Pour pas être dérangé. Hop. Vous me croyez si j'ai le nez qui me gratte? Hop. Alors du coup, le camion, on va le balancer quelque part par là-bas. Donc en plus, j'ai besoin de l'autre camion. Donc ça, c'est pas mal. Put.
Hop, voilà. Alors, du coup, alors qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle plus. Alors. Étape 1, conduisez l'excavateur sur le site de construction, transportez 1, 2, dans la. De terre, de la gravière dans la zone destinée, site de construction, et décharger les. Et décharger les là. Obtenez un conteneur de déchets de construction du site de construction et transporter cargaison dans la zone destinée. Alors, je dois aller chercher de la terre à la gravière. D'accord. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Est-ce que, attends, parce que, non. Est-ce que je vais pas avoir besoin d'un autre véhicule, d'un camion de benne? Alors, il est où dans le. Ou vendeur de véhicules. J'ai pas moyen d'y aller. Non, bah c'est en pleine ville. Bon. Alors, je sais pas trop comment. Je pense que c'est avec ce camion-là. Donc, du coup, on va faire ça. On va faire. Ah, je crois que c'est C pour déverrouiller. Ah merde, il faut. Ah, ah là, ça c'est relou. Ça. Attends, non, j'ai pas besoin de faire ça pour le coup. Hop, juste à faire ça. Hop. Là pour le coup ça marche. Je sais pas pourquoi là j'ai en mode anglais j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors du coup il faut que j'aille à la gravière chercher un mètre cube de terre. Alors la gravière elle est où? Elle est là. En plus on n'est pas à côté. Hop. Je sais même pas si ce camion il baigne. Non, pour moi c'est pas le bon camion. Hein. Pour moi, c'est pas le bon camion, je vais être obligé d'acheter un camion. On va voir. On va voir, je découvre complet, donc là je ne. Ah si, il baigne celui-là. Mais bien sûr que si, il baigne. Si, il baigne. Donc c'est bon, s'il baigne, c'est que je peux baigner. Alors, on va aller, pour le coup, maintenant, on va se diriger vers la gravière pour aller chercher de la terre. Nous freine! C'était là que je tourne. Alors si je commence déjà à me planter déjà dans les directions, ça va pas le faire. Allez, vas-y Marcel, plein cul galop. Abruti. Oups. Est-ce qu'il y a un klaxon sur le truc? Ouais. Bon, là je pense que je peux passer sur le côté. Est-ce que c'est un peu comme dans Farming pour les gyros? Non, raté. Des fois c'est cette touche. Ou alors cette touche. Tout à l'heure je vais faire une connerie. Hop, allez, on est parti. Fin d'imitation à 50, même si j'étais même pas à 50, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Bon, en tout cas, j'ai pas l'air de pouvoir aller plus vite que 80 km/h. C'est dommage. On va voir dans la descente en chargé quand, quelle allure on voit. Ah si quand même, une fois qu'il est sur du plat, il décide de passer une vitesse. Ah ça c'était un panneau. Ah le panneau comment il a volé. Ah le danger particulier, lui il a fait. Ah la vache. Je pense que je vais vous mettre un petit ralenti. Vitesse, ah ça c'était un panneau. Alors maintenant c'est bien mignon. Alors, c'est où que je veux charger? Par là que je dois charger? C'est quoi ça? Non, c'est du ciment. C'est pas ça que je suis venu chercher. Ok, j'ai chargé. Bon bah. J'ai tout chargé, donc maintenant il faut que je ramène tout ça. Bon, bah pour le coup les amis, vu qu'on est chargé, je vais vous laisser la surprise dans le prochain épisode. Comment que je vais décharger le camion en espérant que déjà que j'arrive à peu près à sortir d'ici sans me planquer. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir suivi, je vous aime très fort. Salouche!
Ah.